Et bien salut les amis, c'est Clopu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 34 de ma série Retour des 1. Donc excusez-moi si j'ai ma voix un petit peu enrouée ou quoi, je suis un petit peu malade ces derniers temps. Enfin bref, donc les gars, nous sommes en division 1, nous n'avons pas encore joué de match. Il nous reste 10 matchs pour obtenir 23 points les gars, ce qui nous laisse une marge d'erreur d'uniquement 3 défaites, ce qui est largement faisable quand même. Donc vous voyez, hein, je suis assez fauché, je me suis fait une nouvelle équipe comme prévu. J'ai demandé des conseils sur Twitter, la voici. Donc c'est une hybride avec en haut à droite la casette up, Fetir up, Mathieu Dier, etc. Un côté, un trio français. Ensuite un trio de QPR avec Tarap qui a 5 étoiles. Je vais essayer de m'amuser un petit peu même si c'est pas trop le but en D1. Le but c'est de gagner des matchs quand même. Et après voilà, une défense 100% madrilène avec le gardien qui va avec. Pourquoi? Parce que voilà, Varane et Pépé, je les kiffe sur ce jeu. Donc je me suis dit, allez, on va faire ça, c'est ce qui est le moins cher et c'est ce qui est le plus efficace. Donc vraiment, on a cherché vraiment l'efficacité niveau rapport qualité-prix. Et puis vous allez voir que ça va payer, en tout cas, je l'espère. Donc je sais, c'est pas une équipe non plus ouf pour la D1, mais je pense que cette équipe peut tenir. C'est solide au milieu de terrain, c'est solide en défense, en attaque. Il y a de la vitesse, il y a de la vivacité, il y a de la technique même. Donc je pense que ça peut le faire, les amis. Parce que voilà, j'ai pas mis de crédit sur ce compte-là. Je suis vraiment parti de zéro. Si vous regardez les débuts des épisodes, etc. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé de faire des équipes avec des Courtois et tout ça. Mais j'ai pas les crédits sur ce compte-là. Et c'était vraiment pour montrer qu'on peut aller en D1 sans mettre d'argent sur le jeu et sans acheter de crédit ni rien. Donc voilà, on est directement parti pour le premier match. On va arrêter de parler et on se retrouve dès qu'on a un adversaire. On est parti pour le premier match de Division 1. On va tomber contre une équipe argent. C'est le cas. Une très belle équipe argent. C'est une hybride d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça risque de faire mal, mais voilà, on a une nouvelle équipe. On va la tester, je pense que ça peut le faire, les amis. Bien joué, on élimine, allez. On repasse par Contra, oh, c'est bien joué, il n'y a pas de souci. Encore, encore, tu l'as, voilà, Fargas. La casette, on la remet pour Fargas. Fargas le crochet, Fargas qui ouvre, oh là là, poteau, c'est dommage. C'est pas grave, allez. Attention, attention, là, il s'échappe. Attention, là, il s'échappe, Contra, chope-moi ce ballon. Quoi ce bordel? Contra, pourquoi tu les redonnes comme ça? Il intercepte avec Fer. Fer qui se prend son temps, il se retourne, il la donne à Fekir. Fekir, l'égalisation de Fekir, c'est bien joué. Faut pas se presser les gars, faut prendre notre temps, faut construire un petit peu le jeu et ça peut le faire. Ça peut le faire. Là en haut pour Matuidi. Laisse Matuidi, remets-la quelque part. Alexandre Lacazette, il arme sa frappe du pied droit. Le gardien doit s'imposer. Avec le feu, le petit. Fer encore qui intercepte. Putain, Fer, il prend tous les ballons. Fekir. Mathieu dit pour Fekir. Fekir, double contact. Fekir qui passe. Fekir qui passe et qui plante le doublé. Et ça fait 2-1. On revient, les mecs. On est chaud. Et Fekir est chaud. Je l'ai pas encore testé. Hein. C'est la première fois que je le teste. Pour l'instant, il fait le taf. Attention à ce gros ballon. Attention à ce ballon. Oh le poteau, on a eu chaud, on a eu chaud. Je tire, tu pars, non. On passe là-haut, il y a le time faire. Pour Fargas, allez, courez, courez, courez. La casette qui intercepte, on a failli planter le 3-1. La casette double contact. La casette, il se balade, la casette, il se balade. Ça fait 3-1, les Lyonnais qui sont en très grande forme dans ce match. Pour l'instant, ça me plaît. Pour l'instant, il me plaît. La casette qui passe, la casette qui passe, c'est magnifique. Non, il n'a pas réussi à passer, c'est pas grave. Attention à Ings. Et voilà, attention, 3-2, faut faire attention les mecs. Faut faire attention, on est à la 80e minute. Le plus important serait de prendre les 3 points. Donc faut vraiment essayer de mettre un 4ème pour être sûr. Ouais, faut pas jouer technique. Là il faut pas jouer technique. Fer qui intercepte, faire la frappe. Et c'est encore le gardien qui doit s'imposer, dis donc. La fin du match qui est sifflé les mecs. Premier match en D1, première victoire avec la nouvelle équipe. Les Lyonnais qui ont été en très grande forme. 3-2. Fer qui a vraiment fait un énorme travail au milieu de terrain, les mecs. C'est un truc de ouf. On a dominé un petit peu plus la rencontre. La victoire est un petit peu méritée. Même si voilà, on va pas regarder les stats. 3 premiers points pris, c'est l'essentiel. Et on se retrouve pour un deuxième match. A tout de suite. On est parti, les mecs, pour le deuxième match. Toujours avec la même équipe. Et on va tomber contre une BPL. Ouais, c'est déjà autre chose par rapport à avant. Avec un grand Thibaut Courtois au cage. Oh, Fer qui est encore là, c'est magnifique. Ce que Fer est en train de faire depuis le début. Oh là, on va se prendre un but. Oh là là. Attention William, attention William qui se met sur son pied droit. Ouh là 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 là.
Oh oui, c'est magnifique. Oh oui, c'est le jeu collectif. Quoi? T'es sérieux, Lacazette? Bien joué, Varane. Vargas, allez. Maintenant, Lacazette, maintenant. Bien joué, la sortie pour toi, c'est bien joué. La tête, oh non, laissez sans. Mais c'est pas possible, c'est encore sorti, quoi. Cabella, il est chaud, hein. Cabella, il est chaud, on peut faire aussi. Contrao, tout le monde est là. Faites pas les cons, les mecs, faites pas les cons. Oh oui, on a aussi un peu de chance. Lui, il passe comme du beurre. Ouais, bah, il défend bien. Mes occasions, je les concrétise pas. Je vais le payer cash, hein. Je me dis comme c'est. Hein. Allez, Tarab, s'il te plaît, mets-moi là au fond. Yes, Tarab, bien joué. Allez, ça relance le match. C'est pas le plus beau coup franc, mais c'est toujours un but qui fait plaisir, ça relance le match. Allez. Non, putain, pourquoi il est mis aussi vite, Walker? Genre. Je dis rien. J'ai même pas envie de m'énerver en fait. Je dis rien, c'est plus simple. Non, parce qu'on a l'impression que c'est un attaquant quoi. Moi je fais ça avec mon défense. Moi avant avec la casette, j'ai loupé un face-à-face au goal. Bon les gars, défaite. Je sais pas si c'est mérité ou pas, mais on va pas chercher à comprendre, on va pas chercher d'excuses ni rien. C'était prévu que je fasse que deux matchs, mais là vous savez quoi, j'ai tellement la rage, j'ai tellement envie de gagner le prochain qu'on va encore en lancer un avec la même équipe. Et là je peux vous dire qu'on va tout donner, ok? A tout de suite. On est parti pour le troisième match. Oula, une équipe qui a 85 de général. C'est une très très belle équipe. On va dire que c'est une Liga BBVA. Il y a juste... Ouais. On va dire que c'est une hybride BBVA, BPL. Et puis avec du brésilien, quoi. Ça tourne bien. Attention, ce premier tir de Neymar qui aurait déjà pu coûter cher. Bien joué, Tarapt. Oui, Tarapt. Oui, Tarap, frappe. La casette. Mais qu'est-ce que tu me fais? Quel con, putain, il aurait pu marquer, il était pas revu, rien. Pour la casette. La casette, allez. La casette, allez. Crochet. La casette qui face au goal. Non. Putain, il l'a mis aussi, quel con. Attention, attention, Aguero. Non, non. Yes. Yes. Putain, c'est qui me la sort? C'est Varane, je suis sûr que c'est Varane. C'est Varane qui me sort. Non, non, mais non, mais... Voilà, alors là, faudrait arrêter de se moquer de moi, non plus. Vargas, Vargas. Il me sort les parades impossibles à sortir aussi. Contrao hein. Qui la redonne à Vargas. Vargas sur son pied droit, t'es obligé de la mettre. Non, mais il la sort encore, c'est pas bon. Yes, c'est qui? C'est Matuidi, ça. Il était à l'affût. Il était à l'affût, le petit Matuidi. Il était discret, là, ce coup, il a apparu comme ça, comme une gazelle. Pourquoi je dis ça? Je sais pas. Vargas, allez, cours. 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 Oui, Vargas. Non, mais non, un mec du but, il me pète l'équerre. J'y crois pas. Il a mis le match. Putain, non, il est là. Il marque deux buts, c'est moi qui lui donne deux fois le ballon. Vargas, oui! Yes, Vargas! Allez, on va aller chercher les trois points. On va aller chercher. Alexandre Lacazette, allez dans la profondeur. Alexandre Lacazette dans la profondeur. Mais t'es sérieux, mec? Bon, bah voilà, les gars, fin du match 2-2. On n'aura pas pris les trois points. C'est entièrement de ma faute les deux buts que je me prends. Je suis tout à fait conscient et je suis dégoûté. Parce qu'on les méritait ces trois points à mon avis. Là, on a... Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on a pris cher parce que là, j'ai pas été attentif. Quoi. C'est de ma faute qu'on se prend les buts, malheureusement. Fer qui réalise encore un match exceptionnel comme d'habitude. Malheureusement, on n'a que 4 points pris sur 9 possibles. C'est vraiment décevant, j'ai envie de vous dire. On n'a plus le droit... On a le droit qu'une fois, encore une fois, à... On a le droit qu'une... Ah, je vais y arriver. On a le droit qu'à une défaite encore si on veut gagner le titre de Division 1. C'est faisable. Il va falloir rester très concentré. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour plus de Road to D1. Je vais essayer de vous balancer ça très prochainement.
On se retrouve très vite, les amis. C'était Clubby. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.